Peut-être qu'elle a envie de garder les humains parce que, allez. Bah, genre, elle peut apprendre de nous. On va partir. Nous, les humains, ils ont bien pris des agneaux. Bah, du coup, elle peut nous garder juste pour. Vaste sujet. Regardez, des fois, on fait des conneries, mais elle peut en tirer quelque chose d'utile et nous utiliser simplement comme. Bon, si on se mettait à bosser. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux dire qu'il faut que je ferme StarCraft 2? Non, 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 tu fais ce que tu veux, hein. C'est, moi j'ai pas de. Il faut que tu te connectes à Discord parce qu'il y a Ludovic qui. Je suis pas. Mais je suis à Discord. Bah si, si, je suis. Je suis. Ah oui, pardon, j'étais pas dans le chat vocal. Pardon. Bonjour. Allez, let's go! Donc tout le monde a au moins un contrôleur de domaine? C'est bon? Vous avez un Active Directory qui est encore opérationnel avec. Des petits comptes utilisateurs qui peuvent se loguer et tout. Oui. Très bien. Donc, le sujet d'aujourd'hui va être les GPO. C'est parti ? Yes, I. Alors, les GPO, qu'est-ce que c'est ? Christophe ? Oui. Moi, j'avais pas encore créé mes comptes utilisateurs. T'as zéro compte utilisateur dans ton AR ? Il va m'en falloir quelques-uns quand même. Il en faudrait au moins un. Okay. Alors, 48 ça passe. Ouais, 48 ça passe. Alors, qu'est-ce que c'est les GPO ? Eh bien, les GPO, ça veut dire Group Policy Object en anglais. Et donc, en français, c'est les objets de stratégie de groupe. Group Policy Object, en français, objet de stratégie de groupe. Alors, vous entendrez très souvent les gens dire GPO, évidemment, mais vous les entendrez dire un GPO ou une GPO. Parce que soit c'est un objet de stratégie de groupe, soit c'est une stratégie de groupe. Donc des fois, ce sera le masculin ou le féminin. Même moi, des fois, je change entre les deux. Je dis un GPO ou une GPO. Comme la langue française de genre... Allez, là, ça, c'est une catastrophe. Hein. Pourquoi on a fait ça là, je vais dire qu'on n'est pas supérieur hein, quand on a fait ça. C'est la catastrophe. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à beaucoup de choses. Dans les GPO, il y a des milliers de paramétrages, mais... Si je prends un exemple simple, c'est vous vous souvenez de GPEdit? Oui. Eh bien, c'est un GPEdit centralisé. Hein, GPEdit, ça permettait sur un poste de mettre en place des verrouillages. On pouvait définir des blocages, des modifications sur un ordinateur grâce à GPEdit. Et bien là, ça va être pareil, mais de façon centralisée, c'est-à-dire dans le domaine. Donc grâce à ça, on va pouvoir faire du GPEdit sans passer sur chacun des ordinateurs du domaine. Yes? Ça va? Vous avez compris? Vous voyez l'idée? Ok. Non. Alors, comment on va mettre ça en œuvre? Comment on va faire ces fameux GPO? Alors, c'est extrêmement important, un ou une GPO est lié à une OU. Tout le monde se souvient ce que c'est qu'une OU? Oui.
Donc, si vous créez un objet de stratégie de groupe et que vous le liez à une unité d'organisation, ce GPO va toucher tout ce qui est dans cette unité d'organisation. Donc, il faudra faire extrêmement attention à votre structure d'unité d'organisation. Vous avez certainement créé une structure d'unité d'organisation dans votre domaine. Vous avez peut-être créé une OU comptabilité, une OU, vous avez fait plein de choses. Donc si on lie la GPO à l'unité d'organisation, ça va toucher tous ceux qui sont dedans. Vous vous souvenez par exemple, dans GPEdit, on avait fait comme verrouillage empêcher l'accès au panneau de configuration. On avait fait un truc comme ça. Imaginez que vous créez un objet GPO que vous liez à une unité d'organisation et que ce GPO empêche l'accès au panneau de config. Tous les utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation ne pourront pas accéder au panneau de configuration. Quel que soit l'ordinateur sur lequel ils se loguent. Donc ça, c'est extrêmement important. Les GPO sont liés aux unités d'organisation. Ce qui fait que parfois, dans certaines entreprises, vous allez créer des unités d'organisation pour vous organiser. Pour l'instant, c'est ce qu'on a fait. Il y a des gens qui vont créer des unités d'organisation pour lier les GPO. Parce qu'on veut atteindre un objectif précis. On veut que ce GPO touche certains utilisateurs et pas d'autres. Donc c'est pour ça que vous aurez des fois des unités d'organisation qui vous paraissent à quoi elle sert cette OU là ? Ça ne veut rien dire. Si ? C'est parce qu'on l'utilise pour lier les GPO. Par exemple. Donc c'est ce qui peut être une deuxième utilisation des unités d'organisation, c'est lier les GPO. La première utilisation des unités d'organisation, c'était organiser. La deuxième, c'est lier les GPO aux unités d'organisation. D'accord ? Alors, comment on fait ça ? Eh bien, on a un outil qui sert à ça. Alors, évidemment, tout va se passer sur le contrôleur de domaine, vu que c'est là qu'on a les outils qui permettent de centraliser la gestion de la sécurité de notre domaine. Et donc sur votre contrôleur de domaine, vous allez trouver un outil, donc dans le menu outils, qui s'appelle gestion des stratégies de groupe. Qui, comme son nom l'indique, sert à gérer les stratégies de groupe. C'est à ça qu'il sert. J'ai pas fait gaffe si sur Twitch ça marche aussi. Nous allons donc ouvrir l'outil gestion des stratégies de groupe qui sert à gérer les stratégies de groupe. Donc c'est un outil Microsoft habituel dans lequel vous allez dérouler l'arborescence qui est à gauche. Alors faites attention, très souvent on confond les outils, on confond gestion des stratégies de groupe avec utilisateur ordinateur Active Directory ou avec le DNS. Il est vrai que ça se ressemble, donc il faudra être vigilant et ne pas confondre les outils. Donc celui-ci, gestion des stratégies de groupe, sert à gérer les stratégies de groupe. Et donc on va prendre l'exemple suivant. Je voudrais que les gens à la compta ne puissent pas accéder au panneau de configuration. Je veux interdire l'accès au panneau de configuration. C'est l'exercice qu'on avait fait quand on avait fait GPEdit. On va faire le même. Alors je vais utiliser la méthode ancestrale Microsoft, qui consiste à faire... Clic droit de souris, exactement. Alors, pas n'importe où. C'est là où il faudra faire assez attention. Je souhaite bloquer les utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation compta. Donc, je fais clic droit de souris sur l'unité d'organisation compta. Dans l'outil gestion des stratégies de groupe. Faut pas lancer l'outil utilisateur ordinateur Active Directory. Et si vous faites ce clic droit de souris dans l'outil gestion des stratégies de groupe sur l'unité d'organisation compta, vous allez... pouvoir choisir. Excuse-moi de te couper. Oui. J'ai pas fait ces sous-OU de compta info prod et RH. J'ai juste utilisateur, après c'est trié en fonction de leur service. Du coup, je sélectionne utilisateur directement pour faire. De toute façon, t'as pas le choix. Ouais. Il faut sélectionner une unité d'organisation. Donc je fais le sur utilisateur. Sauf que dans ton cas, ça va tous les toucher. Ouais. C'est pas grave, c'est pour tester. Donc, une fois que vous faites clic droit de souris sur votre unité d'organisation, vous avez la première ligne qui vous propose de créer un objet GPO dans le domaine et le lier ici.
Donc tout à l'heure, je vous ai dit que les GPO étaient liés aux unités d'organisation. C'est bien ce qu'il nous dit là. Il nous dit, on va créer un objet GPO et le lier ici. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Je clique sur créer un objet GPO dans le domaine et le lier ici. Alors, il souhaite lui donner un nom. Donc on peut l'appeler Guacamole. Ou, ben, ce serait pas idiot de le nommer en lien avec ce que va faire ce GPO. Je vous ai dit que l'idée, c'était de faire quoi, là? Empêcher l'accès au panneau de configuration. Donc, on pourrait l'appeler chaise à roulette. Non, il n'y a pas de lien avec le... Non. Bon, d'accord, on l'appelle blocage pas chaise à roulette. Blocage panneau de configuration. Blocage panneau de configuration. OK. Blocage panneau de configuration. Voilà, donc j'appelle mon GPO blocage panneau de configuration. Alors, les GPO starter, on n'en a pas. C'est des modèles de GPO, on n'en a aucun. Donc, vous n'avez pas à l'utiliser. Donc, il suffit de faire OK. Et voilà. Vous venez de créer et lier un objet de stratégie de groupe qui est lié à une unité d'organisation. C'est-à-dire que là, ce GPO que j'ai créé est lié à l'OU Compta. Donc, il va toucher tous les utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation compta. Ou autre unité d'organisation, peu importe. Hein, c'est lié à une OU, ça va toucher tout ce qu'il y a dans l'OU. Jusque là, ça va? Très bien. Maintenant, ce GPO, je l'ai créé, mais il fait rien. C'est comme si vous aviez fait un nouveau fichier. Hein, et à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, il va falloir maintenant faire dessus. Clic droit de souris sur votre GPO. Et vous cliquez sur « Modifier ». Ça va vous ouvrir l'éditeur de stratégie de groupe si vous faites ça. Et c'est dans l'éditeur de stratégie de groupe qu'on va trouver tous les paramètres des GPO dans lesquels on va pouvoir trouver comment empêcher l'accès au panneau de configuration. Donc, je clique sur « Modifier ». Vous devez retrouver normalement un petit affichage qui doit vous rappeler des souvenirs. Est-ce que ce truc-là, configuration ordinateur, configuration utilisateur, ça vous rappelle des souvenirs? Pas du tout. Pas du tout. Non plus, non, non. C'est un peu comme dans registre ou GPEdit. Dans GPEdit, il y avait ça. Quand on ouvrait GPEdit, vous aviez configuration utilisateur, configuration ordinateur, et toutes les modifications qui sont dans configuration ordinateur vont en fait aller faire des modifs de registre dans HK Local Machine. Toutes les modifications que vous faites dans configuration utilisateur vont aller faire des modifs dans le registre dans HK Current User. C'était là ou l'autre. Et donc maintenant, il va falloir aller trouver le paramètre qui nous intéresse. Alors ça, c'est un problème. Dans les GPO, il y a des milliers de paramètres. Il y en a plus que dans GPEdit. Donc c'est des fois très compliqué de trouver où se trouve le paramètre qui nous intéresse. Je ne vous cache pas que votre meilleur ami s'appelle ChatGPT. Vous demandez à ChatGPT, dans l'éditeur de stratégie de groupe, où est le paramètre qui permet d'empêcher l'accès au papier peint, au panneau de config, pardon. Ah, c'est un des paramètres, le papier peint aussi. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je refais le papier peint dans le salon à la maison, donc j'entends parler papier peint depuis deux jours. Je vous dis pas le week-end et la semaine qui vont arriver. Eh oui, les gosses sont pas là, on en profite et hop, on fait les travaux. Donc, soit vous demandez à ChatGPT pour se trouver le paramètre, soit vous y allez au doigt mouillé. Bon, autant vous dire qu'au doigt mouillé, ça va peut-être être un peu long. Hein. Je vais vous guider pour le premier. Donc vous allez aller dans configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration. Il y en a un qui s'appelle panneau de configuration. Ah tiens. Et celui qui s'appellerait interdire l'accès au panneau de configuration et l'application paramètre du PC, tiens. Ce serait pas bien celui-là? Donc je vous le mets en plein écran le chemin pour le retrouver. Donc il faut que vous y alliez dans
Configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, panneau de configuration, et il y a un paramètre qui s'appelle interdire l'accès au panneau de configuration et à l'application. Oui. Ouais, j'ai essayé de rattraper un peu le cours, j'ai créé mon compte utilisateur, mais c'était la procédure avant que vous arriviez là, c'est un peu bloqué. J'ai pas fait la manip. Alors, tu en es où? Donc là, normalement, tu nous avais dit d'aller. Et tu l'as déjà ouvert? Oui, c'était pour faire une date début pour te montrer ce que j'ai. Là où j'ai arrêté. En fait, j'ai pas fait les manips d'avant, je suis allé directement sur là. Ouais. Mais il n'y avait pas de manip avant. Ah, ok. Si t'es allé là, c'est que t'as fait la manip que j'ai fait avant. Ouais. Gestion des stratégies de groupe. Ouais. T'étais dedans. Ouais. Donc, vas-y, il faut dérouler. Domaine xy.intral. Ça. Domaine contrôleur, objet. Ah, t'as créé une OU, objet de stratégie de groupe. Ouais, c'est pas terrible ça, une OU, objet stratégie de groupe. Ça aurait été mieux d'avoir une OU. Alors, va dans utilisateur ordinateur Active Directory, on va faire une petite OU PSG. Faut que tu ailles en bas dans le petit jaune, utilisateur ordinateur. Non, ça c'est l'explorateur de fichiers, celui-là. Voilà, là-dedans. Tu fais clic droit de souris sur ton domaine. Ils sont de l'IPO, ouais, pour. Unité d'organisation. Apparemment, il faut aller dans le jour. Tu fais PSG. Il faut réactiver. Ok. Pareil. Voilà, maintenant retourne dans l'outil gestion des stratégies de groupe. Il est déjà ouvert. Ah, tu l'as ouvert deux fois même. Parce qu'il est en bas, tu l'as déjà ouvert deux fois. Moi, tu étais ici. Hein. Oui, voilà. Fais F5 pour rafraîchir. Voilà. Ça, c'est bien. Et tu fais clic droit de souris sur l'OU PSG. Créer les liés. Première ligne. Ça peut être 4 ou 6 GPO. Donc on l'appelle bloquer panneau de config. Oh. Je suis bloqué par notre configuration. C'est moi, je pense que c'est hyper. C'est hyper un peu. C'est pas ça, un clic droit dessus. Tu peux faire une connerie et tu peux fabriquer des consoles. C'était pas renseigné. Et tu vas dans configuration utilisateur. C'est le second. Stratégie. Ah ouais. Modèle d'administration. Pas notre configuration. Et tu double-cliques sur interdire l'accès au panneau de configuration. Donc quand vous avez le paramètre interdire l'accès au panneau de configuration, il faut double-cliquer dessus. Tac. Qui se construit là. Et vous allez pouvoir configurer trois choses différentes. Soit le mettre à non configurer, soit le mettre à activer, soit le mettre à désactiver. Quelle est la différence entre les trois possibilités non configurer, activer et désactiver? Il y avait déjà ça dans GPEdit. Alors, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Activer, c'est qu'on active l'interdiction. Oui. Non configurer, c'est quand il y a rien. Désactiver. Alors, je vous rappelle que derrière tous les paramètres que vous avez là, en fait, ce sont des modifications de registre qui sont faites. Donc là, si vous faites ici activer, si vous cochez activer, ça veut dire qu'il va aller modifier le registre pour activer ce paramètre qui est interdire l'accès au panneau de configuration. Donc attention, si vous activez interdire l'accès, ça veut dire qu'on ne peut pas y accéder. Si vous choisissez désactiver, ça veut dire qu'il va aller modifier le registre pour désactiver le paramètre sur lequel on se trouve. Donc attention, désactiver, interdire, ça veut dire autoriser. Et non configurer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas toucher au registre. Ça veut dire laisser le registre tel qu'il est. D'accord? Donc je répète, si vous choisissez non configurer, ça veut dire on ne touche pas au registre. Si vous choisissez activer, je modifie le registre pour activer le paramètre. Ici, interdire l'accès au panneau de configuration, donc on ne pourra plus accéder au panneau de configuration. Si vous choisissez désactiver, ça veut dire
modifier le registre pour désactiver le paramètre en question ici. Le paramètre, c'est empêcher, interdire l'accès au panneau de configuration. Concrètement, si tu mets désactiver, ça va modifier le registre. Oui. Au final, il est par défaut, ils ont quand même accès au panneau de configuration. Alors. Si nous prenons un PC Windows fraîchement installé, est-ce qu'ils accèdent au panneau de config ? Oui. Mais imaginons que, sur ce PC fraîchement installé, il y ait quelqu'un qui ait lancé GPEdit. Et que dans GPEdit, il ait choisi « Activer, interdire l'accès au panneau de configuration ». Là, le paramètre est activé. Et c'est ici que ce serait intéressant, au niveau des GPO, de choisir « Désactiver ». Parce que il va falloir se poser la question. Quand un ordinateur démarre, comment sa configuration se charge ? Et ben c'est d'abord la config locale, GPEdit, et après, il y a les GPO du domaine qui viennent se mettre. Donc quand l'ordinateur démarre, le paramètre est à activer grâce à GPEdit, puis le GPO s'applique et ça devient désactivé. Alors que si on laissait à non configurer, ça veut dire le GPO ne touche pas au registre. Autre cas de figure, sur ce poste, quelqu'un a fait regedit. Il a lancé à la main l'éditeur de registre. Ou il a reçu un mail avec un point reg. Et il a double-cliqué dessus. Qui fait que, ah bah maintenant il accède plus au panneau de config. C'est ballot. Là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir, voilà, désactiver des fonctionnalités qui auraient été activées, genre par GPEdit. Des fois, c'est des cas de figure comme ça. J'ai travaillé sur un certain nombre de postes, je n'avais pas de domaine. Tous les postes étaient en workgroup. Et on m'a demandé d'empêcher l'accès au panneau de config. Donc sur les 20 ordinateurs de mon réseau, j'ai fait GPEdit, 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 GPEdit. Je suis passé sur tous les postes le faire. On s'intègre dans le domaine, c'est toujours bloqué. Ils peuvent pas accéder au panneau de config. Et finalement, on a changé d'avis. On dit, oui, il faudrait quand même qu'ils accèdent au panneau de config. Ça y est, on arrête. La stratégie de sécurité a changé. Bon, bah hop. Avec ça, on peut le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a les trois paramètres. Il y a le non configuré parce que, par défaut, tous les paramètres des GPO sont à non configurer. Je vous ai dit qu'il y en a des milliers dedans. Hein. Si vous allez tous les voir, ils sont tous à non configurer. En clair, là, vous venez de faire un GPO qui sert à rien, qui ne fait aucune modif. Ce sera à vous de choisir, je fais activer ou désactiver le paramètre, suivant l'objectif à atteindre. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux. C'est pour ça que vous avez activé et désactivé. Il n'y a pas que non configuré et activé. Parce qu'on voudrait peut-être des fois revenir en arrière. Oui ? On peut dire que non configuré, il va délayer la tâche au GPEdit de la machine physique ? Non, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Non configuré, ça veut dire ne pas toucher au registre. Non configuré, ça veut dire je ne fais rien. Oui, donc du coup, chaque machine indépendamment, si elle a une web policy... Si configuré, ça va s'appliquer. Ou si quelqu'un a touché au registre à la main. Oui, voilà. Ou s'il y a un script qui se lance, qui fait autre chose. Donc tu vois, ce que je veux que tu dises, ce que je veux pas que tu dises, c'est que si c'est pas un GPO, c'est GPEdit. Non, il y a plein d'autres cas de figure. Okay. Faut juste dire, si c'est non configuré, ça veut dire ce GPO ne touche pas au registre. Ok, d'accord. Celui-là. Parce que c'est pareil, des GPO... on va en faire plusieurs. Donc si ça se trouve, tu as un GPO dont le paramètre est un non configuré, et il y en a un autre où c'est activé. Ce qu'il ne faut surtout pas écrire, c'est que quand on met à non configuré, ça remet la valeur par défaut. Ça, c'est une grave erreur d'écrire ça. Un peu comme tu me l'as dit, Joanne, tu as dit, par défaut sur Windows, on peut accéder au panneau de configuration. Oui, si c'est un Windows fraîchement installé qui n'a pas été modifié. Et là, mettre le paramètre à non configuré, ça ne va pas forcément rendre l'accès au panneau de config. Si GPEdit a été modifié, si il y a eu un point reg de passé, si il y a un script d'ouverture de session qui le modifie, etc., etc. Il peut y avoir plein de fonctionnalités qui sont bloquées par autre chose que les GPO ou GPEdit. Exactement, ce n'est pas une garantie. Par contre, si je choisis désactiver et interdire, ça, c'est une garantie.
Ouais, parce que si je choisis désactiver, interdire l'accès, ça modifie le registre. Et là, je suis sûr qu'il est désactivé. Eh oui. Non configuré, aucune garantie. Désactivé, garantie. Yes. Il n'y a pas un souci, il ne peut pas y avoir des conflits entre le GPEdit et le GPO pour le démarrage du coup. Et non, parce que j'ai dit, on va prendre cet exemple-là. Dans GPEdit, j'ai mis désactiver, interdire l'accès au panneau de configuration, et dans le GPO, j'ai mis activer. Donc là, on a un conflit. On a le même paramètre, GPEdit le désactive et le GPO l'active. Mais l'application des paramètres se fait dans un certain ordre. C'est d'abord le local. Donc quand l'ordinateur démarre, c'est GPEdit. Il va dire le paramètre, il est désactivé. Et après, il y a le GPO du domaine qui s'applique. Donc là, le GPO, lui, il a dit que ce paramètre, il était activé. Donc il prend le dessus. En fait, les choses se font dans l'ordre. Et les paramètres de registre, ils sont dans un seul état à la fois. Ce n'est pas des registres quantiques qu'on a encore. Hein. Donc soit ils vont être sur 1 ou 0, enable, disable, peu importe. Donc c'est le dernier qui a raison en fait. Donc c'est lui qui fera la dernière modif, c'est celle du GPO. Et en fait c'est assez cohérent parce que ça vous permet comme ça d'avoir cette fameuse centralisation. Vous avez la maîtrise. J'ai mis un GPO au niveau du domaine, donc tous ceux qui sont dans le domaine, ils sont touchés par ce GPO. Même si en local, ça a bricolé. Même si en local, on a fait du GPEdit, du RegEdit, c'est pas grave. C'est le GPO qui parle en dernier, c'est lui qui a raison. Dans les faits, quelle est la différence entre non configuré et désactivé ? Est-ce que quelqu'un peut répondre à sa question ? Quelqu'un qui a écouté l'explication que j'ai donnée 4 fois ? Entre désactivé et non configuré. Non configuré, ça touche pas au registre. Et désactivé, tu vas imposer une modification. Et vu que tout est en désactivé de base, enfin en non configuré de base. Eh oui, attention, tout n'est pas en désactivé de base, tout est en non configuré. Ça veut dire que de base, un GPO fait quelle modification ? Aucune. Aucune. C'est le cas là. Vous venez de. Vous avez fait créer lié un GPO. Ce GPO ne sert à rien. Pour le moment, il ne sert à rien. Tant que vous n'avez pas au moins un paramètre qui est à activer ou désactiver, il ne fait rien. Bah, vous imaginez, heureusement que c'est ça. Parce qu'il y en a des milliers de paramètres. Hein. Si ça, ce serait le. Bah, pas possible. Donc désactiver. Oui. Il touche au registre. Oui. Mais. Il n'y a pas de mais. Il touche au registre, point. En l'occurrence, là, il va imposer, autoriser. On va dire. Derrière ça, je vous ai dit, c'est des modifications de registre. Ça veut dire qu'il y a une valeur de registre qui est modifiée. Vous vous souvenez des valeurs de registre ? On avait vu ça. On pouvait aller dans le registre, dans les clés de registre, HK Local Machine. Ça vous rappelle quelque chose ? Vous vous souvenez de Auto-Admin Logon ? Je vous avais fait modifier une valeur qui était celle du login automatique. Et auto-admin logon, fallait le mettre à combien ? 1. À 1. Donc imagine, c'est ce qui se passe. Si ce paramètre, on le met à activer, il met une valeur de registre à 1. Et si tu mets à désactiver, il met une valeur de registre à 0. Okay. Et si tu mets à non configurer, il ne touche pas à la valeur de registre. Donc est-ce qu'elle est à 0 ou à 1 ? J'en sais rien. Ça dépend. Est-ce que quelqu'un fait RegEdit sur cette machine ? Non. Ben, peut-être que si, peut-être que non, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Comme on l'a dit, non configuré, c'est aucune garantie. Activé ou désactivé, ça se mettra dans l'état que tu choisis. Okay. Mais ce qui est très important, hein, c'est quand vous faites désactiver, ça modifie le registre. Quand vous faites activer, ça modifie le registre. Quand vous faites non configuré, ça ne fait rien. Surtout pas non configuré, ça remet la valeur par défaut. Ça remet la valeur d'un Windows fraîchement installé usine. Non. Ça ne touche pas au registre. Donc s'il a été touché par autre chose, c'est l'état qu'il a été touché par autre chose. Ok. Mm-hmm. Yes, sir. Yes, sir. Après, c'est bien. C'est intéressant pour traiter, par exemple, des problématiques qui sont rencontrées sur des postes qui font partie du domaine. Et pour les traiter à distance, pour. Voilà, si c'est trop le bazar en fait sur le poste, ça peut être pas mal quoi. Oh oui, les GPO, ça peut être pas mal. Comme tu le dis, ouais, c'est pas mal.
C'est français? Non, c'est américain. Donc allez, on va tenter le coup. Vous allez cliquer sur activer. Donc nous allons activer le paramètre interdire l'accès au poste de configuration. Donc attention, ce GPO, une fois que vous faites OK, il est en production maintenant. Ça y est. Ah. Tous les utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation sur lequel vous avez lié ce GPO, dans mon cas, c'est l'unité d'organisation Conta, ces utilisateurs, s'ils veulent accéder à leur panne config, ils sont bloqués. Là où je veux en venir, il n'y a pas de bouton enregistrer, il n'y a pas de bouton appliquer, il n'y a pas de bouton voulez-vous la mise en œuvre des GPO maintenant. C'est maintenant. Dès que vous activez un paramètre, c'est en prod. Donc faites attention. Il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Donc là, moi, dans mon exemple, dans l'unité d'organisation Conta, j'ai Eva Green et Christophe Bonneau. Donc si j'ouvre la session avec Eva Green sur un poste de travail, elle est là, Eva. Ah, ben je n'avais pas fermé sa session. Donc je vais me déconnecter. C'est Green. C'est Eva Green. Si j'essaye d'accéder au panneau de configuration. Oh my god! What is the fuck? Cette opération est annulée en raison des restrictions sur cet ordinateur. Aïe 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 aïe. Elle va râler, Eva. Ouais. Est-ce que ça peut arriver, Christophe, que les utilisateurs fassent un ticket en pensant qu'il y a un problème? Non, c'est pas qu'il y a un ticket. Ben si, parce que là, il y a écrit, c'est restriction, contactez votre administrateur système. Il peut faire un ticket en disant, je comprends pas, cher administrateur système, je n'accepte pas au panneau de configuration. Bon, autant dire que jamais tu auras un ticket comme ça. Le ticket, ce sera, je peux pas changer mon papier peint. Non, le ticket, ce sera, Internet fonctionne pas. Hein? Ah oui? Ah bah ouais, quand j'accède au panneau de configuration, ça me dit ça. Le panneau de configuration, c'est Internet. Ah bah oui, c'est Brigitte, hein. Brigitte, tout est Internet. Internet et informatique, c'est un synonyme pour elle. Donc il y aura peut-être des surprises dans les tickets. C'est pour ça qu'il faut toujours refaire la panne. Pour lire le message d'erreur. Ça a bien bloqué. Alors, c'est là où il va y avoir toute l'importance des unités d'organisation par les GPO. Je vais vous demander de faire un petit test. Pour cet exercice, il me faut deux unités d'organisation. Donc, si vous n'avez qu'une seule unité d'organisation, créez-en une deuxième. Et voilà ce qui se passe. Vous allez avoir une unité d'organisation sur laquelle est lié le GPO qui bloque l'accès au panneau de configuration. Et vous avez une deuxième unité d'organisation sur laquelle le GPO n'est pas lié. Et vous avez un utilisateur dans la première unité d'organisation et vous avez un utilisateur dans la deuxième unité d'organisation. L'exercice est le suivant. Si vous ouvrez la session avec le premier utilisateur, il a le panneau de configuration bloqué. Si vous ouvrez la session avec le deuxième utilisateur, il n'a pas le panneau de configuration bloqué. C'est comme ça qu'on peut choisir.
Donc est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire, vous vous loguez avec un utilisateur de la première unité d'organisation, il a le panneau de configuration bloqué. Vous vous loguez avec un utilisateur de la deuxième unité d'organisation, il n'a pas le panneau de configuration bloqué. Oui. Et bien dans l'outil qui sert à gérer les GPO, c'est-à-dire dans l'outil gestion des stratégies de groupe. Il faut que tu ailles dans gestion des stratégies de groupe et tu déroules les arborescences. Là, on commence à toucher du doigt le vrai intérêt d'Active Directory. Ouais, c'est vrai. Ah, pour moi, c'est fait que pour faire les GPO. Les GPO, c'est la folie, quoi. C'est un gros morceau, les GPO. Ah, bah oui. Ah, oui. Ça, c'est un gros morceau. Ça, c'est clair. Et du coup, ça va être aussi grâce aux GPO qu'on va pouvoir créer, par exemple, comme tu disais, un lecteur de session, un lecteur pour accéder à un serveur différent. Donc c'est avec les GPO qu'on pourra le faire. C'est ça. On peut faire plein de trucs en fait. Mais c'est pas plein de trucs. C'est la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut pas faire par GPO? C'est plutôt ça. Là, ça va complètement remplacer les scripts. Voilà. Les scripts de la semaine dernière, c'était à l'ancienne. Vous voyez que ça existe. On va faire la même chose en mieux avec les GPO. Non seulement on fait plein de choses, mais on fait mieux. Christophe ? Oui ? J'avais qu'un GPO, qu'une OU à la base. Très bien. J'ai fait le blocage. Mm-hmm. J'aimerais supprimer le GPO que j'ai créé pour le remettre. Alors déjà, on ne va pas faire ça. Ouais. Hein, on va commencer par faire les choses comme j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait une deuxième unité d'organisation. Ça, je l'ai créé. C'est bon ? Ouais. Il faut un utilisateur dedans. Ouais, c'est bon aussi. Eh bien, tu t'es logué avec ? Ouais, mais j'ai... Est-ce que le papier peint est bloqué? Oui. Le papier peint. Bon. Alors quand je dirais papier peint, vous penserez pas notre configuration. Hein. Vous corrigez tout seul. Et le message d'erreur. Ah bah c'est pas normal ça. Ah non. Non, regarde. J'ai dit la première. Pardon. Ça, voilà. Le premier objet de stratégie de groupe, il est lié à la première unité d'organisation. Et il y a une deuxième unité d'organisation où il y a ton deuxième compte utilisateur. Oui. Ben alors, il ne devrait pas être bloqué le deuxième compte. Si, non, mais en fait, non. Le problème, c'est que j'ai fait le test, le premier truc qu'on a fait, blocage, pas de configuration, il s'appliquait à tous mes utilisateurs. Parce que D'accord. Tu as créé une deuxième unité d'organisation, mais dans la première. Ouais. Ah ben, ça ne change rien. Ah ben, le GPO, il s'applique à l'OU racine. Oui, je sais bien, mais j'aimerais juste... Alors, il faut que je montre comment on supprime les GPO, alors. Oh, j'avais pas du tout prévu ça dans cet ordre. C'est une technique de supprimer. Ah, faut que je réorganise tout le cours, là. J'ai fait une grosse page, c'est pas grave. Enfin, c'est bizarre. Bon, on va supprimer les GPO, alors. Non. Si, il faut supprimer. C'est encore un coup de clic droit de souris, ça, non? Non, tu voudrais dire que pour supprimer une GPO, il suffirait de faire clic droit de souris dessus, supprimer. En tout cas, c'est ce qui... Non, il y a des lignes de commande, il faut aller dans le registre, recompiler le noyau, c'est 20 minutes de boulot facile. Non, mais c'est pas si simple que juste faire clic droit de souris, supprimer. On a déjà modifié le registre, si on fait un clic droit de supprimer, on modifie pas le registre de nouveau, du coup, le registre. Ah bah non. Donc,
La question concernant les suppressions d'objets de stratégie de groupe. Donc, si dans votre outil gestion des stratégies de groupe, vous cliquez sur l'objet de stratégie de groupe, une boîte de dialogue s'affiche. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'ait pas lu de boîte de dialogue. Vous avez sélectionné un lien vers un objet stratégie de groupe GPO. À l'exception des modifications des propriétés du lien, les modifications effectuées ici affectent globalement l'objet GPO et ont un impact sur les autres emplacements auxquels ce GPO est lié. Je relis. Vous avez sélectionné un lien. Un lien. Vous avez sélectionné un lien. On a sélectionné un lien. Alors, je vais cocher ne plus afficher ce message parce que je l'ai lu et j'ai bien compris, donc c'est pas la peine qu'il se réaffiche à chaque fois. J'ai cliqué sur un lien car effectivement, si vous déroulez l'arborescence de l'outil objet de stratégie de groupe, vous allez voir que vous avez un petit parchemin avec un symbole de raccourci et qu'il y a un conteneur qui s'appelle objet de stratégie de groupe qui lui contient des objets de stratégie de groupe qui n'ont pas ce petit symbole de raccourci. Car oui, quand on fait des GPO, on y a deux choses. Vous avez l'objet de stratégie de groupe en lui-même et le lien de stratégie de groupe. Okay. C'est deux choses différentes. Et du coup, ça facilite le management parce qu'on peut en mettre sur plusieurs... OU. Alors c'est là où Monsieur Psychorigide intervient et dit on peut lier un GPO à plusieurs unités d'organisation, effectivement. Et pas le mettre. On ne peut pas le mettre sur plusieurs OU. Non, on peut le lier à plusieurs unités d'organisation. Mais on fera ça après, parce que déjà, il faut que je montre la suppression avant de montrer le lien multi-unité d'organisation. Là, je ne peux pas en faire 50 à la fois. Là. Il faut... Calmez-vous. Donc, moralité, si j'utilise la méthode ancestrale Microsoft, qui consiste à faire clic droit de souris sur le lien de stratégie de groupe et de faire supprimer, Que nous dit donc la boîte de dialogue? Voulez-vous supprimer ce lien? Le lien? Cela ne va pas supprimer l'objet de stratégie de groupe lui-même, en tant que tel. Car le GPO veut être considéré en tant que tel. Et donc si je réponds oui, parce que c'est un grand oui, je fais OK, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je remarque que le lien qui était lié à l'unité d'organisation comptable a disparu, mais que l'objet de stratégie de groupe blocage par notre configuration en tant que tel, lui, n'a pas disparu. Donc, la question était, j'ai lié ce GPO à une unité d'organisation, ça a donc touché tous les gens qui sont dans cette unité d'organisation, j'ai supprimé le lien, le GPO, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Ça veut dire que là, les blocages de panneaux de configuration ne s'appliquent plus à personne. Pourtant, le GPO, il existe toujours. Dans le conteneur objet de stratégie de groupe, il y a toujours le GPO, blocage, panneau de configuration. Mais comme ce GPO est lié à aucune unité d'organisation, il touche personne. Jusque-là, ça va ? Ouais. Maintenant, ce GPO n'a pas disparu. Je souhaite le réutiliser sur une autre unité d'organisation. C'est là où vous allez utiliser la méthode ancestrale, vous faites clic droit de souris sur une unité d'organisation et il faut choisir cette fois la deuxième ligne au lieu de sélectionner la première ligne. Parce que la première, elle dit créer lié. Elle crée le GPO et elle crée le lien. Alors que la deuxième ligne, qu'est-ce qu'elle vous propose? Donc ça veut dire que là, il va vous proposer la liste de tous les GPO qui ont eu été créés dans votre réseau. Dans votre domaine, pardon. Et là, bien évidemment, je vais pouvoir sélectionner à nouveau l'objet de stratégie de groupe qui s'appelle blocage, panneau de configuration. Donc, c'est pas la peine de recréer un GPO une deuxième fois. Je l'avais déjà créé une première fois. Et donc, il est toujours là. Christophe, si quand on est face à un lien,
qu'on a créé justement pour bloquer par exemple le panneau de configuration aux utilisateurs de la comptabilité. Si on efface le lien, tout de suite il y a une modification qui se fait aussi, qui est synchronisée donc, sur les sessions où on avait fait une modification de registre. Ensuite, du coup, ces modifications de registre reviennent à l'initial ou bien? Alors, le tout de suite, c'est pas tout à fait là. Ça met un petit peu de temps. C'est pas instantané. Donc la réponse est au maximum dans 90 minutes. Donc ce qui se passe sur vos postes de travail, en fait. Qu'est-ce qui se passe sur les ordinateurs pour les GPO? En fait, il y a une routine, il y a un service qui fait ça. Qui, toutes les 90 minutes, votre ordinateur interroge le contrôleur de domaine et lui demande « Il n'y aurait pas des nouveautés dans les GPO? Il ne faudrait pas en appliquer ou en enlever ?» Et il le fera à ce moment-là. C'est quoi le processus? C'est un service. C'est un service. C'est un service qui tourne sur les machines. Il y a un service d'application des GPO qui tourne dans Windows. Et toutes les 90 minutes, ce service interroge le contrôleur de domaine et lui dit « Il n'y a pas des nouveautés dans les GPO là ? T'as rien foutu là depuis 90 minutes, là, il n'y a pas des nouveautés ?» Et les nouveautés, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux paramètres à appliquer ou des anciens paramètres à enlever ou à modifier ? Donc dans l'exemple qu'on vient de donner, je supprime le lien de GPO. Au pire, dans 90 minutes, tous les utilisateurs de la compta peuvent réaccéder au panneau de config. Donc, il y en a certains, ils vont avoir de la chance, parce que leur poste, il s'est mis à jour il y a 89 minutes. Donc eux, une minute après, ils pourront accéder au panneau de config. Il y en a d'autres, pas de bol, leur poste, il vient de se mettre à jour juste avant que tu supprimes le GPO. Donc eux, ils devront attendre 90 minutes. Donc tu vois, c'est pas du temps réel. C'est pas instantanément appliqué sur les postes, faut attendre 90 minutes au pire. Bon, c'est pas très grave, 90 minutes, je veux dire, on peut attendre, hein. c'est pas fou, mais c'est important quand même cette notion, c'est pas du temps réel. Christophe, est-ce que tu peux remontrer comment lier un objet GPO à une OU, je sais pas. Alors, un nouveau ou un ancien? Un ancien. Clic droit de souris sur une unité d'organisation, deuxième ligne. C'est clic droit de souris sur l'unité OSA. Attention, dans l'outil gestion des stratégies de groupe. Oui. C'est là où il ne faut pas confondre. Il ne faut pas être dans utilisateur ordinateur Active Directory. Il faut être dans gestion des stratégies de groupe. Clic droit de souris sur l'OU qui t'intéresse. Et deuxième ligne, il y a écrit. Bah, il y a un objet de stratégie de groupe existant. Ça, c'est une commande un peu comme le flash DNS pour le DNS, pour aller plus vite plutôt que d'attendre les 90 minutes. Oui, il en existe une. Si vous êtes impatient et que vous dites « Ouais, j'ai fait des modifs de GPO, ne serait-ce que, ben, je voudrais tester. » Là, par exemple, j'ai fait ma modification, bloquer l'accès au panneau de configuration, ben, j'aimerais bien que les utilisateurs ils le testent, et je vais demander à Eva Green de faire mon cobaye. Là, je vais aller la voir, on va discuter, dire bah voilà, j'ai fait un truc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, vérifier un truc. Soit tu attends 90 minutes à côté d'elle en discutant, ce qui peut être sympathique, hein, ça peut être un truc. Soit finalement tu veux pas. La commande à taper sur le poste de Eva Green s'appelle GP Update, comme Group Policy Update. Si tu vas sur le poste de travail, tu tapes GP Update, ça n'attend pas les 90 minutes. Effectivement, c'est comme le flush DNS, mais pour les GPO. Donc là, taper GP Update, c'est demander à votre poste d'interroger le contrôleur de domaine pour dire « Hey gars, il y a des nouveautés dans les GPO ? Faut en enlever, faut en ajouter, faut faire un truc ?» Est-ce qu'il faut faire un truc? Est-ce qu'il faut faire un truc machin bidule? Donc ça c'est le service, comment tu l'appelles? Interrogation du service GPO au domaine de compte. Attends. J'attends. En fait, c'est le service qui interroge, tu as dit, le domaine de contrôle. Le contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, voilà. Ok. Pour voir s'il y a eu des mises à jour disponibles. Oui, c'est ça. Okay. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans les GPO? Attention, hein. En ajout ou en suppression, hein.
Là, ça peut être le cas, si c'était ton exemple. Je supprime le lien de GPO. C'est bon, Madame Green, vous pouvez accéder au panneau de config. Ben, elle va te répondre, ah ben non, toujours pas. Bougez pas, Madame Green. GP update. Ça y est, vous pouvez accéder au panneau de config. Ou alors, ça va prendre 90 minutes, Madame Green, j'arrive. Je vais vous tenir compagnie. Aussi. Ça marche. Ça peut. Attends, Christophe, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu avais dit que la GBO s'applique automatiquement, directement, instantanément. C'est ce que tu avais dit? J'ai dit qu'elle était opérationnelle instantanément. Donc okay. Elle pourrait s'appliquer tout de suite, oui. Ok. Donc, si on démarre une machine, dans ce cas-là, c'est... Ah bah oui, elle, vu qu'elle démarre, elle va tout de suite interroger le contrôleur de domaine. Oui. Oui, ok. C'est combien la durée entre deux checks de GPO? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que j'ai dit? 90. Combien? 90. 90 minutes, oui. Christophe, par rapport à ce qu'on fait quand on utilise les GPO, étant donné que ça tient sur un lien, ça veut dire que sur le poste de travail, quand on va par exemple dans les... Si on allait par exemple dans le domaine du poste, enfin de la session... Cette phrase ne veut rien dire. Hein. Si on va dans la session qui est dans le domaine Active Directory... Si on va dans la... C'est pareil, cette phrase veut toujours rien dire. Si on va dans la session, déjà qu'est-ce que ça veut dire aller dans la session? Si on va sur le compte de l'utilisateur qui est dans le domaine Active Directory. Alors, pour moi, quand tu dis si on va sur le compte utilisateur, ça veut dire je suis dans utilisateur ordinateur Active Directory, j'ai double-cliqué sur un compte. C'est ça que tu veux dire? Ouais, sur le compte de la personne. Ouais. Donc là, on est sur le contrôleur de domaine, on est dans utilisateur ordinateur Active Directory, et tu double-cliques sur le compte d'Eva Green, c'est ça? Ah, non. Non, c'est quoi que tu veux dire alors? Ce que je veux dire, c'est en fait quand l'utilisateur accède à sa session. Ça porte un nom, ça. Ça s'appelle ouvrir la session. Ouais. Lorsque l'utilisateur ouvre sa session sur son poste. Ça, c'est la bonne phrase. Okay. C'est pas quand on va sur le. Pilier numéro 1, qualification. Il va falloir que le vocabulaire, ça rentre maintenant. Hein. Là. Donc l'utilisateur, Eva Green, se connecte à son poste. Ouvre sa session dans le domaine, sur un ordinateur du domaine. Donc Eva Green ouvre sa session sur son poste dans le domaine. C'est parfait. Active. Exactement ça. Okay. Oui, après. Si par exemple, si elle avait accès au registre. Elle a accès au registre, hein. Regedit, elle peut le lancer, hein. Oui. Elle pourrait voir l'effet sur son poste. Bien sûr. Elle peut lancer Regedit si elle sait où c'est. Si elle sait quelle est la valeur de registre qui est modifiée, elle peut y aller
et elle voit que la valeur, elle est à 1. Et quand on efface un lien, donc GPO dans le contrôleur de domaine ActiveDirectory, oui, cette fois, c'est en tant qu'administrateur, oui. Oui. Et bien là, tout de suite, en fait, ça entraîne la modification sur le poste aussi. Alors, enfin, je veux dire, non, tout de suite. Dans les 90 minutes, oui. On va dire. Mais ça entraîne en tout cas une modification dans le registre. C'est exact. Donc, Eva Green, elle lance Regedit. Elle va voir la valeur de registre, elle la voit, elle est à 1. Elle fait rien. Toi, au niveau du serveur, tu supprimes le lien de GPO. Ouais. Le lendemain, elle revient le lendemain, elle lance l'éditeur de registre, la valeur, elle est devenue 0. D'accord. C'est très simple, en fait. Et exactement. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est pas mal, les GPO. Ouais, ouais, ouais. Et c'est très utilisé. C'est très puissant. Oui. Si elle est une GPO qui est activée et que un utilisateur est affecté par cette GPO et qui quitte le domaine Active Directory, est-ce que ça... Bah, la GPO ne s'applique plus. Et cet utilisateur n'existe plus parce qu'on est en train de parler d'un utilisateur du domaine. Ouais. Si l'ordinateur quitte le domaine... On prend Eva Green. C'est l'ordinateur d'Eva Green. Eva Green, comme il l'a dit, ouvre sa session avec un utilisateur du domaine. L'ordinateur sort du domaine. Est-ce que Eva Green peut se loguer sur le poste? Ah oui, non. Bah non, fin de l'histoire. Eva Green, c'est un compte utilisateur du domaine. C'est pas un utilisateur local. Hein. Bah, elle peut plus se loguer. Ouais, c'est ça. Ah oui, forcément. Donc les GPO, c'est fini. Hein. C'est hors domaine, pas de GPO. Hein. C'est sûr. Ah bah oui, c'est un peu ça. C'est, bah sinon, non. Ah bah, sinon, ce serait problématique. Hein. Ouais. Parce que je vois pas comment les ordinateurs, quand ils sont plus dans le domaine, comment ils contactent le contrôleur de domaine. Non, GPEdit garde les modifications ou... Ben, GPEdit garde les modifications de GPEdit. Oui, vu que GPO modifie GPEdit. Non. Est-ce que j'ai dit les GPO modifient GPEdit? J'ai dit ça, moi? Ah là là, je m'excuse. Ah là 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 là, grave erreur de ma part. Non. C'est le registre. Voilà, ça modifie le registre. Mais ça modifie le registre le temps que le GPO s'applique. Si le GPO s'applique plus, ça modifie plus le registre. C'est des couches en fait. Oui. C'est un genre de modèle avec des couches, tu vois, qui s'empilent les unes sur les autres, genre un truc comme ça. Ah ouais, putain. Ça me rappelle quelque chose, ces histoires de couches. Ah ouais, les bébés et tout, là, qui ont des couches, là, ça pue, c'est dégueulasse. Ah ouais. Ne faites jamais d'enfants. C'est ça, c'est bien de bien qu'on a vu. Ne soyez jamais vieux. Un peu, c'est un peu ça. Essayez de crever avant. D'ailleurs, t'as vu le symbole du parchemin? Ça ressemble à un raccourci, hein. Oui, oui, c'est un peu comme un raccourci. Je crois qu'il est pas prêt. Il est pas prêt encore. Qui c'est qui est pas prêt? Il n'y a pas que les enfants qui portent des couches. Ah oui, oui effectivement. Je me déplace à trois. Pour l'instant, la prostate, ça va. La prostate, ça va. La prostate, ça va. Je vérifie régulièrement, hein. Ah oui, mais il faut. Ah bah il faut, c'est important. Passer un certain âge, tu sais. Tu sais, quand tu te couches, tu sais jamais si tu vas te relever le lendemain. Hein. Et si tu te réveilles et tu te lèves, t'as pas mal quelque part, c'est que t'es mort. C'est la vérité. Tiens, je dis pas pour le papier, pas là, j'ai dû vider le waterbed ce week-end. Oh, on a dormi dans le canapé-lit. Oh, l'enfer. Quel enfer. Ça, c'est vraiment le principal défaut du waterbed, c'est dormir ailleurs. C'est horrible. Ah, c'est horrible de dormir ailleurs. Oh là 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 là. C'est comme quand t'as des bons oreillers, et après, au bout d'un moment, quand tu vas dormir ailleurs, tu prends toujours ton oreiller. Dans la voiture, on est toujours en place. Ça, c'est le problème du waterbed à déplacer, c'est compliqué. Hein. Je peux pas amener 400 litres de flotte dans la bagnole. Tu m'étonnes. Donc, ça fonctionne? Oui. Tu vas faire des voyages comme ça. Donc, je vais attirer votre attention sur. Vous allez faire un petit exercice. Vous allez répondre à ma question.
Actuellement, moi, dans mon cas, Eva Green est, une utilisatrice de qui est dans l'unité d'organisation compta. Le GPO qui bloque l'accès au papier peint, il est lié à l'unité d'organisation compta. Que se passe-t-il si le compte Eva Green, je le déplace, je le place dans l'unité d'organisation RH? Eh bien, il n'est plus lié à... Il n'est plus à la GPO qui, elle, est liée au... L'unité de... Ah, ben non. Attends. Ah, si, ben si. Ah, ben si, ben non. Il est plus dans le... Dans le... Donc, il est plus dans l'OU compta. Donc, normalement, si effectivement Eva Green, vous la déplacez, je vous rappelle comment on fait un déplacement, hein. Clic droit de souris, déplacer ou drag and drop. Yes. Je le déplace dans RH. Vu que maintenant Eva Green se trouve dans l'unité d'organisation RH et que l'objet de stratégie de groupe que j'ai créé qui bloque l'accès au papier peint est lié à l'OU compta, Eva Green accède au panneau de configuration sous réserve de patienter 90 minutes ou GP update si je ne souhaite pas patienter. Est-ce que vous vous souvenez quand on a fait des déplacements de compte utilisateur dans gestion des stratégies utilisateur ordinateur Active Directory, il y avait une boîte de dialogue qui s'affichait, qui vous disait attention, lorsque vous déplacez des objets, il risque d'y avoir une modification du fonctionnement des stratégies. C'est exactement ce cas. Je déplace un utilisateur d'une unité d'organisation vers une autre unité d'organisation, eh bien, avant, il y avait un GPO qui s'appliquait. Maintenant, il ne doit plus s'appliquer. L'inverse est vrai. Si vous prenez un compte utilisateur qui était dans l'OU RH et vous le déplacez dans l'OU compta, cet utilisateur, avant, il pouvait accéder au papier peint. Maintenant, il n'accède plus au papier peint. Pas d'autre configuration, hein, bien sûr. Pas papier peint. En fait, pour qu'un utilisateur soit directement concerné, si on le modifie, si on le change en fait l'unité d'organisation, finalement, il faut créer des GPO en lien avec l'utilisateur directement. C'est pas possible ça. Les GPO sont liés aux unités d'organisation. Et que aux unités d'organisation. Ça, c'est intéressant ça. C'est forcément lié aux unités d'organisation. D'accord. Il n'y a pas de gens qui. Non, ça c'est pas des stratégies. Ah, ça va comprendre. Pourquoi ça s'appelait les stratégies de groupe et ça s'applique pas au groupe? C'est lié aux unités d'organisation. C'est comme ça. Oui, Adil, il n'y a pas des gens? Ah bah si, des gens, il y en a plein. Hein. Oh là 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 là, m'en parle pas. D'ailleurs, l'intégralité des problèmes, c'est... Alors attends, une seconde, Eric, c'est... Ça y est, t'as fini, t'as trouvé ta question ou je peux répondre à celle d'Eric? Ah, c'est bon, désolé. Il n'y a pas de gens qui... Ah bah, ça, on y était, ouais, c'est bien les gens. Il n'y a pas de techniciens, enfin d'information, qui font des GPO liés au service compta, servir RH, ou genre ils les isolent dans Global. Ils font une GPO service compta, et donc ils mettent le groupe service compta, comme ça ils l'appliquent directement au groupe. Les GPO sont liés aux unités d'organisation. Oui. Bah t'as une OU compta là. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de groupe? Il y a une OU compta. Donc tu lis à l'OU compta et ça s'applique à la compta. Non mais... Pourquoi tu veux... En plus, alors, on va dire que oui, à la place. On peut le faire en... à la place. Les GPO sont liés aux OU. On doit le lier dans, à une dans OU. Dans l'OU global. Ouais. Ok. Ouais. Tu crées une OU service compta. Mais c'est le cas là! On a une OU compta déjà! Mais là c'est dans l'utilisateur, c'est pas dans le groupe. Alors attends. Oh putain! Donc, t'as dit dans l'OU global. C'est quoi pour toi l'OU global? Mais c'est l'OU dans groupe. Ah oui, c'est vrai. Dans groupe. Ah, donc dans l'OU groupe! Dans l'OU groupe, tu as. Enfin, moi je fais. Dans l'OU groupe, tu crées une OU compta. Non! Dans l'OU groupe, oh, la vache. Tu as deux mails local et global. Ah, d'accord, donc dans l'OU groupe, on va y arriver, voilà, tu as domaine local et global. Ah, c'est ça, global. Oh putain. Ah, la calife, non. Donc, dans l'unité d'organisation globale, tu veux créer une sous-OU compta? Ouais. D'accord, bon, on continue. Et dedans, tu mets le groupe service compta. D'accord, ok, jusque-là, voilà. Tout va bien.
après. Et du coup, tu lis les GPO à ce groupe-là. On peut pas lier une GPO à un groupe. Oui, ça se lie qu'aux unités d'organisation. C'est tohu. D'accord, donc tu as créé une OU Conta, finalement, qui ressemble étrangement à l'unité d'organisation Conta qui est déjà dans l'utilisateur. Oui, sauf que là, c'est lié, du coup, à l'intérieur, c'est le groupe, et c'est pas les utilisateurs. Oui, bon, d'accord. Et qu'est-ce que ça change au niveau fonctionnement? Eh bien, ça change que... T'es plus content. C'est plus beau. Ah, c'était pour faire un truc beau. Non, ok, non, d'accord, non. C'était pour ça. Bon, donc Eric, t'as une question? Ouais, j'ai pas trop suivi pour l'utilisateur qu'on déplace qui est dans le GPO. Est-ce qu'il préfère bien des GPO? Voilà, l'utilisateur, il est dans une unité d'organisation. L'unité, enfin l'OU est affectée par le GPO. Donc, la GPO est liée à l'unité d'organisation. Le compte utilisateur est dans l'unité d'organisation. Cet utilisateur, on le déplace dans une autre unité d'organisation. Cette autre unité d'organisation, le GPO n'est pas lié dessus. Mais... Donc le GPO s'applique plus. C'est quoi déjà ? Le message d'avertissement. A égale B, égale C. Alors ça dépend quel message d'avertissement. Le message dont je parle, c'est celui qu'on avait quand on déplaçait les objets d'une OU à une autre. Est-ce que tu l'as toujours ? Ouais. C'est par le biais des OU. Et qu'est-ce qu'il dit ? Oui, d'accord. Tu prends les réglementaires. Oui. Oui, mais madame Michel. Mais nous, on n'est pas des. C'est assez long. Le déplacement d'objets dans la série de domaine directory peut empêcher le bon fonctionnement de notre système d'histoire. Par exemple, le déplacement d'une unité que toi, tu sais. Par une unité d'organisation peut se répercuter sur le mode d'application. Dire, du mode d'application, des stratégies de groupe. Stop. Ouais, je suppose qu'il est compétent. Donc tu vois, ça peut même s'il me le perturber pas. Le mode d'application des stratégies de groupe. Utiliser les termes. C'est-à-dire le mode d'application des GPO. En clair, si tu déplaces un compte utilisateur d'une OU vers une OU, il est possible qu'il y ait des GPO qui s'appliquent plus. Et c'est exactement notre cas. C'est exactement le cas là. Donc tu te préviens. Du coup, si on fait ça et qu'on imagine qu'il y a une GPO sur le groupe... Non, les GPO ne sont pas liés au groupe. Les GPO sont liés aux unités d'organisation. Mais effectivement, si on va répéter ta phrase, mais avec les bons termes, s'il y a un GPO qui est lié à l'unité d'organisation RH, comme Eva Green, tu la déplaces de l'unité d'organisation compta à l'unité d'organisation RH, elle sera touchée par ce GPO. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il fait ce GPO, mais il sera touché par elle. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Là, pour l'instant, on n'en a fait qu'un seul. Ça bon, vous avez discuté esthétique, alors le papier peint, vous allez mettre quoi? Plutôt un truc un peu design, végétal? Les problèmes de termes sont liés à des problèmes de transitivité. Transitivité? Non. Les problèmes de termes, c'est souvent... Le chauffage, le problème. Ah, c'est souvent le chauffage, le problème dans les thermes. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est le refroidissement de l'eau, le problème. Parce que très souvent, elle sort trop chaud. Elle sort trop chaud. Quand tu vas dans les thermes, tu te crames si tu sors direct. Si tu prends l'eau directement de la therme, tu brûles. Donc il faut le refroidir. Il faut refroidir l'eau des thermes, hein, c'est obligé. Mais du coup, quand je dis il faut lier au groupe, par exemple... Eh ben, ça, c'est impossible. On ne peut pas lier... Je suis transitif. Tu es transitif, c'est-à-dire... A égale B, B égale C. Ouais. Je lis à l'OU. Oui. Et l'OU est liée au groupe. Donc, je suis transitif. L'OU n'est pas liée au groupe du tout, non? Quoi? Bah, le groupe est dans l'OU. Ah, le groupe est dans l'OU. Ouais, ça, je veux bien. Oui, 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 d'accord. D'accord. Le problème, c'est la lecture des pensées. Et moi, je ne lis pas les pensées. Et alors, bon, je ne les connais pas, mais il n'est pas impossible que le jury et vos recruteurs et vos collaborateurs et les clients avec qui vous allez parler ne lisent pas les pensées non plus. C'est possible. C'est possible. Je ne les connais pas, hein, mais il y a peu de chances qu'ils lisent les pensées aussi. À voir, hein, à voir, peut-être que si. Aussi, un jour, on a affecté au service informatique du comité régional des télépathes. Des télépathes? Ah là, et peut-être, effectivement, là... Je ne fais pas trop en ce moment, donc... Peu de chance. Ils n'ont pas besoin, ils sont télépathes. Ils arrivent à communiquer avec l'ordinateur direct. Alors, est-ce que ça a fonctionné? C'est plus au niveau de la formulation, j'ai un problème. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah bah, si tu veux, on va en parler à Adil. Niveau formulation, il est au taquet, là. Il est champion par la formulation. C'est quoi le terme que vous voulez? Alors, qu'est-ce que tu veux comme terme? C'est
c'est pour l'exo, enfin, je peux revenir ma phrase du coup pour que tu me corriges. On va voir si Adil te corrige. Si par exemple on sort un utilisateur du groupe comptable pour le mettre dans le groupe RH, la GPO qui est liée. Mais attends, ça va trop vite là, moins vite. Mais non, il faut tout de suite le corriger là. Si par exemple on sort un utilisateur du groupe comptable. Stop, allez. Mais on peut pas sortir un utilisateur du groupe comptable. C'est le U là. Ah bah vas-y Adil, là c'est bon là. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Non mais là il n'y a pas pareil d'ouille déjà. Eh bah c'est ça le problème. Il a dit si on sort un utilisateur du groupe compta. Bah, c'est oui. De l'unité d'organisation compta. Et ben c'est pas si on le sort. Parce que le terme sortir en informatique, moi je sais pas ce que ça veut dire. Le démembrer. On le démembre pas non plus. Oui, alors si on le démembre, il va peut-être se passer des choses. Si on le... Déplace, merci. Il y en a un qui a suivi. Si on le déplace depuis l'unité d'organisation compta vers l'unité d'organisation RH, voilà, ça c'est la bonne phrase. Là c'est pro. Là c'est pro. C'est chaud. Refais-la avec les bons termes. Donc, si par exemple on déplace un utilisateur de l'OU compta vers l'OU RH, point, la GPO qui est liée à l'OU compta ne s'appliquera plus. Exact. Faut t'assauter là. Correct. La GPO de l'OU RH. Si, il y en a une. Il y en a une. Là, oui. T'es pas obligé de le dire. Là, dans l'idée, c'était le GPO. Ah ouais. Le GPO était lié à l'OU compta, l'utilisateur était dans l'OU compta, je déplace le compte utilisateur de l'OU compta vers une autre OU, peu importe laquelle, donc le GPO s'applique. Voilà, c'est ça le truc quoi. C'est musculaire. Arrête de lui faire mal comme ça, tu vois pas que tu lui en demandes trop là. Ouais, en plus il y a la guitare et tout, l'escalade et tout. Il veut te suivre, mais oui, voilà, c'est ça, tu es... Ce soir j'ai il te voit... Il te voit tel qu'il était il y a quelques années, il dit « Ah, oh, je faisais pas. Ouais. Je peux faire pareil. Il peut pas être prêt à avoir été. Hein. » Non, il y est pas encore. Un jour. Non, mais dans deux semaines. Dans deux semaines, si tu vois, il est violette. Non, ouais, je pense pas. Ah, déjà, il est violette, il serait. Non. Là, je fais des bleus. Hein. Ah, tu fais les bleus, c'est bien. Alors après, faut que tu fasses gaffe. Il t'a montré les signatures des designers. Non. Quand tu regardes les bleus, là, t'as une 5+, tu sais, t'as les numéros. Mais il y a écrit qui l'a fait. Ouais, là. Bon, voilà. Fait par Antoine, fait par Arnaud, etc. Alors tu verras, il y en a, ils sont un peu gentils. C'est des bleus, mais bon, elles sont pas trop dures. Et là, c'est des bleus, tu dis, c'est violette. C'est vrai. Ou alors, tu commences à monter, tu fais, mais il a oublié deux prises. C'est pas possible, il y a des trous. Si tu fais pas 2m60, tu... C'est vrai. Mais si, regarde, tu prends de l'élan, tu sautes à la Spider-Man et tu peux l'attraper. J'ai dit, oula. Hier, il y avait une verte. On était 4, il y en a un seul qui l'a passé. Ouais, ça. C'est lui qui a réussi à la passer, je crois. Vert, c'est en dessous bleu, du coup, en escalade. En difficulté. Ouais, vert, c'est en dessous bleu. C'est un peu comme les pistes de ski, hein. Ça ressemble un petit peu les couleurs. J'ai jamais fait de ski. T'as jaune et après t'as vert. Ah, t'as jamais fait de ski. C'est un peu comme attends, les. Qu'est-ce qui est au-dessus? Vert, jaune, bleu. Tout en bas, c'est. Pratiquement, il y a un autre, mais c'est jaune. Ok. Après, c'est vert. Après, ça dépend, il y a des trucs. Vert, c'est pas le truc le plus simple parce que. Non, c'est jaune. Non, c'est jaune. Moi, je pars du principe vert, t'avances vite. Après, bon, t'as jaune et rouge. Hein. Mais là non. Allez, faut qu'il y ait plus. Ils ont changé les couleurs. Je comprends pas trop comment ça. Et la plus dure, c'est la blanche. Ouais, c'est lui quand même. Bah oui, là, elle a pas de couleur. D'accord. C'est arbitraire. Mais pourquoi je jaune? Ouais, c'est visuel. C'est comme ça. Hein. Moi, je l'utilise. Ça a été choisi comme ça. Il y a des chiffres ou des petites étoiles. Hein. Le vrai, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Le vrai, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Entre les entreprises. Ils n'ont pas de code couleur similaire. Et même les cotations selon les pays, elles sont différentes. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Bon, donc ça ping ? Oui. C'est bon, ça a fonctionné. Vous avez déplacé Eva Green de l'unité d'organisation compta vers l'utilisation RH et elle a pu accéder à son panneau de configuration. Ça y est, le GPO ne s'applique plus à elle. Et on est content.
Bon, on va pouvoir aller fumer des cafés et puis boire des cigarettes. Ça marche. Donc du coup, on va aller faire la pause. Ok. Allez la commu, à tout à l'heure. Like, partage, abonne-toi et tout. Tu le sais. À toutes.